Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce dimanche 27 février 2022, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le Prix d'Amérique Races The Turf, Prix de Paris Marathon Race. Quatrième course de la Réunion 1, où 14 trotteurs âgés de 4 à 11 ans en découdront aux alentours de 15h15. C'est déjà l'heure de la troisième étape du triptyque parisien du meeting hivernal après le Prix d'Amérique et le Prix de France. Cette fois-ci, on délaisse le parcours de vitesse du Prix de France pour aborder celui des 4150 mètres de la grande piste parisienne. À l'issue de ces deux tours de folie, un seul aura le droit de poser pour les photographes d'arrivée et espérons que nos favoris soient dans le coup. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintée. En première position, nous retenons le numéro 12, Étonnant. Ce cheval, entraîné par Richard Van Steerik, n'est autre que le tenant du titre. Dur comme la pierre, ce fils de Timoko, âgé de 8 ans, peut remettre les compteurs à zéro après deux tentatives manquées dernièrement. En deuxième choix, le numéro 1, Ampiamé DSM. Hormis sa disqualification dans une épreuve qualificative à l'Amérique où elle devait pourtant s'imposer pour participer à la Belle, elle ne compte aucune fausse note puisque reste sur toute une pléiade de victoires. Avec Franck Nivard aux commandes, c'est logiquement la chaleur. En troisième choix, retrouvons le numéro 7, Gallius. Battu d'un souffle dans le Prix d'Amérique par Davidson Dupont, il va tenter de s'offrir son groupe 1 cet hiver. En quatrième position viendra le numéro 13, Flamme du Goutier. Elle a gagné le Cornulier, s'est classée troisième de l'Amérique et vient de conclure huitième du France. Aujourd'hui, si elle n'est pas trop fatiguée, elle peut encore conclure dans les 5 premiers. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 14, Davidson Dupont. Impressionnant dans l'Amérique où il est venu s'imposer du minimum face à Gallus, il a déçu ensuite dans le Prix de France. Si Nicolas Bazire fait preuve de patience, il peut remettre les compteurs à zéro. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 9, Diable de Vauvert. Bon finisseur et appréciant ce Prix de Paris, pardon, où il avait fait sensation l'année dernière, il peut encore espérer une place dans les 5 premiers. En avant-dernier choix, le numéro 6, Fakir du Loro. Déféré des 4 pieds et revenant à son meilleur niveau, il intéressera les amateurs d'outsiders. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 11, Chica de Joud. Elle adore les longues distances, ce qui sera un plus aujourd'hui. En cas de non partant, le numéro 8, Freeman de Well, associé à Eric Raffin à l'attelage, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, vendredi, Top Prono et Turf Sélection n'indiquent pas le tiercé écarté Quintet Plus dans le désordre, mais de nombreux coups de cœur à la gagne lors des différentes réunions premium. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, ce dernier offrant tout de même un abonnement VIP, turf-fr.com.